Comme vous le savez, les décrets de l'application de la loi de santé qui donnent l'autorisation aux médecins traitants de prescrire de l'activité physique sont sortis assez récemment, début 2017. Mais l'assistance publique avait en fait anticipé ces mesures et manifesté dès 2015 sa volonté de monter des plateformes de référence pour la prescription de l'activité physique dans le cadre des maladies chroniques. Donc, dans le cadre des patients adultes, une première plateforme a été ouverte à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu en septembre 2016, suivie de près par l'hôpital Avicenne, où une deuxième plateforme de référence vient d'être ouverte. Alors, en quoi consistent ces plateformes de référence? Tout d'abord, en un plateau de consultation spécialisé dans la prescription d'activités physiques, qui sont réalisées par des médecins du sport, qui vont tout d'abord évaluer la gravité, la sévérité de ces pathologies et de ces maladies chroniques. D'autre part, apprécier des facteurs associés comme par exemple le tabagisme. Troisièmement, apprécier des limitations fonctionnelles comme par exemple de l'arthrose au niveau des genoux, des douleurs au niveau des épaules, qui vont bien sûr conditionner les activités qu'on pourra préconiser. Une fois cette consultation effectuée, nous effectuons un bilan détaillé de la condition physique et de la pathologie concernée dans le cadre d'hospitalisation de jour. Ce bilan concerne bien sûr l'état des lieux de la maladie en cause, mais également des tests de condition physique, en particulier des tests d'effort, à la fois cardiaques et respiratoires, qui vont être vraiment l'outil pour quantifier l'activité physique telle qu'elle va être réalisée. Il y a bien sûr aussi des tests de composition corporelle, d'état musculaire, de souplesse, qui vont aider les futurs éducateurs à la prise en charge de leurs patients. Une fois ce bilan réalisé, l'activité physique va être prescrite et réalisée soit dans une structure de ville formée avec des éducateurs qui pourront prendre en charge ces patients, soit pour les patients les plus déconditionnés et les plus lourdement atteints, dans ces plateformes de référence hospitalière sous contrôle médical. Donc ces séances durent environ 2 heures à 2 heures et demie. Nous avons un programme de 18 séances à raison de 3 séances par semaine pendant 6 semaines. Chaque séance en elle-même occupe la matinée avec une partie qui sert à faire du travail aérobie pour améliorer le répondant cardio-respiratoire, et ensuite une deuxième partie de séance qui comprend plutôt un travail musculaire d'assouplissement et d'équilibre. La fin du programme est marquée par un nouveau bilan qui permet d'attester des progrès et des capacités atteintes. Et en fait, l'objectif est que tout patient passé par nos plateformes puisse ensuite poursuivre dans un système de libéral, de ville, où il retrouve des activités physiques qu'il va continuer tout au long de sa vie.